La différence entre le jugement et la curiosité, selon moi, c'est quand tu vas aborder quelqu'un, que ça soit qu'elle soit lesbienne, gay, trans, quoi que ce soit, puis tu émets des stéréotypes en posant tes questions. Selon moi, c'est juger la personne. Mais quand tu fais juste poser des questions parce que tu es curieuse de savoir peu importe quoi, rendu là, pour moi, c'est respectueux puis c'est correct. Mais si tu émets des stéréotypes, pour moi, c'est genre irrespectueux puis je te répondrai juste jamais. Et donc, pour commencer, pour moi, le jugement, ça peut être autant positif que négatif, mais on prend ça souvent en tant que critique. Donc, si je vais dans ce sens-là, je dirais que souvent, c'est négatif. Donc, vraiment, quelqu'un qui va juger, ça va être critiquer quelqu'un négativement sans poser de questions ou quoi que ce soit, tandis que la curiosité, c'est le contraire, ça va vraiment être de poser des questions pour justement comprendre puis en savoir davantage là, sur la situation ou la personne. Pour moi, un jugement, c'est vraiment quelqu'un qui va venir juger mais sans vouloir en apprendre plus, puis curiosité, la personne va venir vraiment te poser des questions pour savoir comment c'est, comment ça marche puis comment ça se déroule dans la vie d'une personne. Le jugement, c'est plus négatif, mais la curiosité, c'est plus pour se poser des questions. Dans le fond, selon moi, là, un jugement, c'est quelqu'un, c'est beaucoup négatif. Là. Quelqu'un va venir, mettons, dire « Ah, les culottes qu'elle porte, c'est vraiment laid », puis sans vraiment connaître la personne plutôt, tandis que la curiosité, selon moi, c'est vraiment venir poser la question, à savoir, à se renseigner sur une personne. Je dirais que le jugement, c'est plus le monde qui sont curieux ou qui sont pas assez à l'aise pour essayer, fait qu'ils ont beaucoup de jugement puis de perception sur le sujet. Selon moi, la différence entre jugement et curiosité, le jugement, le monde, ils vont le faire sans connaître, sans s'informer. Ils vont juste y aller avec leur propre opinion. Tandis que la curiosité, le monde, vont poser des questions. Ils vont s'intéresser à toi, ils vont s'intéresser à ton orientation, à tout, avant même de se faire une opinion. Ils vont préférer poser des questions au lieu de juste simplement faire « moi, je te juge ». C'est ça. Quelqu'un qui apporte un jugement, c'est vraiment quelqu'un qui a déjà des idées dans sa tête ou des stéréotypes, peu importe. Tandis que quelqu'un qui est comme plus curieux, ça va se porter à aller chercher comme des informations, qui, comment, pourquoi, puis vraiment s'intéresser à toi ou peu importe. Je crois que quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui va vouloir te poser des questions sur le sujet pour mieux comprendre c'est quoi, pour apprendre et apprécier c'est quoi en fait. Et quelqu'un qui juge, c'est quelqu'un qui va t'attaquer verbalement sur ce que t'es, sans compter que t'es un être humain aussi, puis que tu peux vivre. Moi, je pense que la différence entre un jugement puis la curiosité, c'est que la curiosité, c'est que t'as envie de t'informer, t'as envie d'en savoir plus. Donc, tu poses des questions pour ton savoir. Puis, la différence avec le jugement, c'est que le jugement, c'est carrément des commentaires déplacés à l'égard de quelqu'un. La curiosité, c'est comme ta ma tante qui veut tout le temps savoir c'est quoi que t'as fait cette année, ou genre si t'as une petite blonde, un petit chum. Tu sais, on voit que c'est d'une bonne intention, là. T'sais, on voit qu'elle veut s'intéresser à toi, mais ça te tente pas d'en parler. T'as autre chose à faire, là. Tu sais, que toujours justifier, toujours raconter tout ce que tu fais. Fait que, tu sais, puis la différence entre ça puis le jugement, ben le jugement, je pense que ça n'a pas sa place. Tu sais, c'est quand tu détestes quelque chose, mais alors que ça n'a aucun impact dans ta vie. La différence entre le jugement puis la curiosité, je pense que si tu juges quelqu'un par rapport à son orientation sexuelle, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui refuse le fait qu'il y ait deux personnes qui s'aiment du même sexe ou la pansexualité ou les transgenres ou peu importe. OK. D'après moi, la différence entre jugement et curiosité, c'est que le jugement, ça va être fait pour faire du mal, pour blesser, puis rien apprendre du tout. Tandis que la curiosité, ça va être fait pour apprendre justement, puis en savoir plus, puis montrer un intérêt.